Quand la SQ, le SPVM et les pompiers débarquent sur votre rue, dans ce cas-ci sur Cuvillier-Angle-Adam, il y a de quoi se poser des questions. Les policiers sont arrivés, sont entrés à l'intérieur. Ils ont vraiment découvert ce qui s'apparente à un laboratoire clandestin de production de drogue de synthèse. Ça sentait comme la cocaïne dans l'air, à l'arrière. Je trouve ça bien effrayant. Je m'attendais un peu à ce du quartier. Selon nos informations, des traces de fentanyl ont même été découvertes dans ce laboratoire du quartier Hochelaga-Maisonneuve, secteur chaud de la ville, qui fait régulièrement la manchette depuis 2 ans en raison des surdoses mortelles et de la consommation en pleine rue. Merci. On s'est déjà vu dans le passé, je pense, l'été dernier. Ouais. Dans votre cas, c'était du crack, je pense. Ouais. Qu'ils font là, les laboratoires de fentanyl, ça n'a aucun sens. De toute façon, le fentanyl n'a aucun sens. S'il y en a, ben paf, ça tombe sur nous autres, puis c'est tout bad, là. À 2 pas de là, une école primaire. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas sécuritaire. Je suis content qu'ils l'ont trouvé. C'est le temps, là. Il y en a pas mal des enfants chez la Ramesson-Neuf. Il faut que ça arrête. Au même moment, à l'Assomption, les policiers menaient la charge contre un autre laboratoire de drogue de synthèse démantelé, rue de l'Industrie. Un grand ménage printanier. Ah, il va y en avoir un autre qui va pousser. Comme des champignons, ça. Tu en enlèves un, il y en a 25 qui poussent. De son côté, Yves, Urgence Santé n'a pas chômé depuis le début de l'année. Et tout de suite à l'écran, on voit les plus récentes données. Vous savez, on utilise la naloxone, c'est l'antidote au fentanyl. Depuis le début de l'année, 20 interventions de la part des paramédics sur le territoire de Montréal et de Laval. Les paramédics, Pierre, ont évidemment sauvé des vies. Je vous laisse en terminant avec ces images en direct ce soir. On est en train de vider justement le contenu de ce laboratoire, tout le matériel qui servait justement à créer ces drogues de synthèse. Oui, bon message que vous rappelez là. Et cette crise du fentanyl qui avait été majeure, on s'en souvient, en 2017, entre le mois d'août et le mois d'octobre seulement, il y avait eu 64 surdoses sur le territoire d'Urgence Santé. La moitié se trouvait à Montréal. 6 personnes en étaient mortes. On trouvait du fentanyl dans la plupart des drogues dures à l'insu des consommateurs. Et c'est tout le Canada qui avait été frappé par près de 4000 décès directement liés à la drogue. Imaginez, c'est plus que les victimes d'accidents de la route.